Voilà, donc nous sommes rendus à la parole de Dieu, cette parole qu'on a besoin véritablement d'entendre, parce que le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort de l'Assemblée, c'est comme si on avait fait un bon repas alors il y a spirituel, notre âme a été nourrie. Et le message, donc, d'aujourd'hui, c'est un jeune homme, et la Bible parle de lui, il gagna une épouse dans la bataille. Si vous voulez bien, on va aller lire un petit peu son histoire dans Juge au premier chapitre. Le livre des juges au premier chapitre et au verset 12. Juge, premier chapitre, verset 12. Juge, premier chapitre, verset 12. Caleb connais un peu Caleb, Caleb et Josué. Caleb dit, je donnerai ma fille, Axa, pour femme à celui qui battra Kirjat, ses fers et qui la prendra. Otniel, c'est lui, Otniel, jeune homme, Otniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb, s'en empara. Et Caleb, lui donna pour femme sa fille axa lorsqu'elle fut entrée chez otniel elle le sollicita de demander à son père un chat. elle descendit de dessus son âne et caleb lui dit qu'as-tu elle lui répondit fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du midi, du sud, donne-moi aussi des sources d'eau. Et Caleb lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te bénissons, toi, le roi du ciel, de la terre, de l'univers, toi qui n'as jamais eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Seigneur, tu nous as créés pour ta gloire. Tu nous as sauvés pour t'adorer, te bénir, te remercier, Seigneur, et te servir avec joie et attendre ton fils qui va revenir soudainement du haut des cieux. Nous te demandons de bénir cette parole qui ce matin, Seigneur, euh, va toucher nos cœurs, va percuter nos âmes afin que nous puissions, Seigneur, être animés de force et de courage dans ces jours difficiles de la fin des temps, ces jours périlleux, dangereux, séducteurs de la fin des temps. Nous te demandons Demandons, Père, par le Saint-Esprit, de nous aider à comprendre cette parole, à l'assimiler, à la manger, à la ruminer, Seigneur, et qu'elle fasse la joie et l'allégresse de notre cœur. Dans le nom puissant, dans le nom du combattant du Calvaire, Jésus-Christ, nous te demandons ces choses, Père. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Donc vous l'avez vu, ce jeune homme s'appelle Otniel, et c'est lui qui a gagné une épouse, donc dans une bataille. Nous allons voir aujourd'hui la puissance, la force de la sanctification, la mise à part et de la consécration, être total, complet pour Jésus. Vous savez que l'ambition de l'apôtre Paul, même après avoir été sauvé, était de gagner Christ. Gagner Christ. Il avait été sauvé. Il avait été pardonné. Il avait été inscrit sur le livre de vie de l'agneau. Mais ensuite, il va dire aux Philippiens, au chapitre 3, verset 8, et même je regarde maintenant toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde ces choses qui pour moi auparavant étaient précieuses, je les regarde maintenant comme de la boue, de la boue, afin de gagner. Christ, afin de gagner Christ. J'aimerais vous expliquer aujourd'hui ce que veut dire gagner Christ. Paul avait un seul but, gagner Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Et là, nous avons sous nos regards, la Bible est remplie d'images, d'histoires qui nous font comprendre de grandes vérités spirituelles. Et l'histoire de ce jeune homme, et pris d'une belle jeune femme, eh bien, va nous indiquer le chemin de la sanctification et de la consécration. L'histoire d'Otniel va nous faire comprendre cela. La question, c'est qu'est-ce que la consécration Qu'est-ce que la consécration Qu'est-ce que veut dire être consacré au Seigneur, à Jésus-Christ C'est simple. C'est abandonner à Dieu, livrer à Dieu ce qui auparavant était livré au monde et au péché. Ce qui auparavant était livré à l'Esprit du monde. Ce qui a livré au péché dans nos vies, maintenant, nous voulons livrer tout entre les mains du Seigneur Jésus, être consacré. Nous allons parler tout d'abord de l'amour et de ses aspirations. Cette histoire nous raconte l'histoire d'un père qui est âgé dans les 80 ans. C'est un héros de la foi. Il s'appelle Caleb. Vous, vous rappelez de Caleb. Il est maintenant un vieux père, mais quarante ans auparavant, il était aux côte à côte avec Josué, et ces deux hommes-là ont eu un témoignage fantastique, fidèle à l'esprit de Dieu, alors que la foule entière, que les autres espions, déclaraient c'est impossible. D'aller dans la terre promise, on ne peut pas. Il y a des murailles, des villes fortifiées. Les hommes sont des géants à leurs yeux. Nous sommes comme des sauterelles. Jamais nous ne pourrons nous emparer d'un tel pays. Ils ont découragé toute l'assemblée du désert, deux millions de personnes. Imaginez, juste une poignée d'hommes ont découragé, et alors que. Le peuple était sur le point de se saisir de pierres et de les lapider, lapider Josué et Caleb qui parlaient de monter vers le pays promis. Soudain, la gloire de l'Éternel est apparue. Et qu'est-ce que Dieu a déclaré Nous allons le lire. Dans Nombre, au chapitre 14 et au verset 10. Nombre 14, verset 10, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse écoutez bien ce que l'Éternel déclare Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Et un peu plus loin, il est dit au verset 24, Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Devant la multitude des gens qui pensaient, je dirais de la manière, la pensée unique, impossible, lui n'a pas regardé la pensée unique du peuple, il a dit, c'est possible parce que Dieu nous a promis ce pays. Même s'il y a des murailles, même s'il y a des géants, même s'il y a toutes sortes d'obstacles, Dieu, qui est au-dessus des géants, qui est au-dessus des citadelles, des forteresses, il a promis de nous le donner et ses promesses sont oui et amen. Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Dieu a dit Mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Nous, comme chrétiens aujourd'hui, nous avons besoin d'être animés d'un autre esprit, différent. Totalement, je dirais, différent de ce que le monde en général pense. Le monde pense d'une manière, nous nous pensons d'une autre manière. Le monde descend vers l'enfer, nous nous montons vers le ciel. Eux, ils croient, je dirais, dans l'homme, nous nous croyons en Dieu. Nous avons mille confiance uniquement dans le Seigneur. Et donc, ce vieux père Caleb, avec euh, Josué, eh bien, ont gardé un témoignage fidèle, ont été animés. Dans le mot animé, il y a le mot animation. Ça veut dire que le Saint-Esprit, qui était en eux, leur parlait de foi, leur parlait de courage, leur parlait de victoire, alors que tous les autres parlaient de défaite, d'incrédulité et de mépris de la parole de Dieu. Alors il y avait ce problème, c'est que 40 ans plus tard, une ville s'appelait Kirjat filles, qui était devenue une forteresse ennemie. Une forteresse ennemie. Et Caleb a dit :« Je donnerai ma fille à celui qui la prendra. Je vais donner ma fille à celui qui va s'emparer de Kirjat. » Ses filles. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Otniel et qui était épris d'amour pour la belle Aksa, la fille de Caleb. La fille de Caleb. Et cette fille Aksa avait hérité d'une certaine manière de son père d'un robuste tempérament. De foi. Elle aussi, comme son père, était dans le camp de la foi. Et Othniel, qui certainement avait vu euh, Axa, qui l'aimait dans son cœur, eh bien, euh, ne savait pas comment véritablement la gagner. La gagner. Les histoires d'amour sont toujours toutes belles. Et on ne se lasse jamais d'en entendre. Et ici, aujourd'hui, nous avons cette histoire entre Otniel et Axa, le beau jeune homme et la belle jeune fille. Otniel s'est posé la question comment pourrais-je gagner ma bien-aimée Axa L'apôtre Paul, lui, languissait aussi. Il languissait de connaître plus le Seigneur. Il n'était pas satisfait d'une connaissance de bambin, de nez de nouveau juste quelques instants et de continuer toute sa vie sans vouloir grandir, croître dans les voies du Seigneur. Il voulait aller plus loin. Il languissait de connaître plus le Seigneur, de l'avoir plus totalement maillé à lui. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous avez ce sentiment dans votre cœur de connaître si peu le Seigneur et nous avons si peu de temps qui nous reste? Vous savez, la faim, F-A-I-M, avoir faim de Dieu est quelque chose de béni. Ne pas avoir faim de Dieu. Ne pas avoir soif de Dieu est une malédiction. Une église qui a faim, qui a soif du Seigneur, est une église bénie. Parce que nous croissons ensemble, nous grandissons ensemble. Mais il y a un problème. C'est que nous sommes parvenus actuellement à une époque décrite dans la Bible comme la fin des temps. Et le problème de l'église chrétienne, il y a un côté qui a faim et soif, et un autre côté qui s'éloigne tranquillement, qui s'éteint et qui descend loin du Seigneur. Le Seigneur nous a averti que à la fin des temps arriverait une situation. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain. Non pas la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Des églises, nous en avons, des rassemblements, des assemblées par milliers en Amérique du Nord. Ce n'est pas cela que Dieu cherche. Dieu cherche des cœurs qui ont faim et qui ont soif de lui. Qui veulent gagner Christ comme Paul. Il disait, Paul, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence, l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon patron, mon maître, mon boss, pour lequel j'ai renoncé à tout. Ces choses qui auparavant étaient pour moi des gains, c'est-à-dire, tel diplôme, ceci, tout cela, pharisien, chef des pharisiens, étudié au pied de Gamaliel, ainsi de suite, être allé à la Sorbonne, ainsi de suite. voyez, tout cela, je considère cela comme de la boue à cause de l'excellence, de la connaissance du Seigneur Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je regarde toute chose comme une perte afin de Gagner Christ, afin de connaître Christ, afin d'aller de l'avant dans cette connaissance. Sommes-nous comme Jérémie qui a déclaré, Seigneur, tes paroles, je les ai recueillies et je les ai dévorées, dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Normalement, en lisant la parole de Dieu, en ouvrant, je dirais, la table, vous devriez sortir de table avec la joie du Seigneur. Comme quand vous sortez, je dirais, d'un bon restaurant, « Oh, j'ai bien mangé » Est-ce qu'il y a cette faim Est-ce qu'il y a cette soif, mon frère, ma sœur, dans ton cœur La Bible dit que cette ville, qui s'appelait kirjat ses filles, celui qui la prendra aura ma fille, a promis Caleb. Pourquoi La Bible dit que cette ville s'appelait autrefois Débir, Débir. Et cette ville avait déjà dans le passé été conquise, vaincue par Josué. Pourquoi la reconquérir eh bien, c'est simple. C'est parce que l'ennemi était revenu. Et l'ennemi avait reconquis la ville. Et maintenant, il fallait de nouveau retrousser les manches, prendre l'épée, prendre le casque, prendre la cuirasse, serrer les cordons des chaussures des soldats et reconquérir la ville de Kiryat-Séphir. Je donnerai ma fille celui qui reconquérira la ville. L'ennemi l'avait reprise, il y a toute une leçon. L'ennemi avait repris cette ville-là. Attention mon frère, attention ma soeur, à ne pas nous laisser reprendre, nous laisser ravir, nous laisser voler le fruit de la victoire qui a été remporté par Jésus-Christ à la croix. Le diable recherche à nous reconquérir. Et nous devons être constamment sur nos gardes. Satan veut reprendre le terrain perdu. Jésus a dit le voleur en parlant de Satan. Et ce n'est pas juste une image moyenâgeuse. Du diable avec, je dirais, une fourche, des cornes et un visage laid. Non, Satan est très beau, séduisant. C'est un ancien ange, mais il a la haine dans le cœur, une haine que vous ne pouvez pas imaginer. Et il vous hait, et il me hait, parce que, évidemment, maintenant nous sommes dans le Seigneur. On a été conquis par notre Josué, notre Jésus. Mais lui, il tourne autour. Il tourne autour et il essaie de reconquérir, de s'immiscer. La Bible dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire qu'on peut donner accès à l'ennemi. Je ne parle pas ici de possession. Je parle ici de donner accès. À l'ennemi. L'ennemi avait repris la ville de Kériat, ses fers. Jésus a dit: le voleur ne vient que pour détruire, que pour voler. Il ne vient pas pour autre chose. Ne discutez pas avec lui. Jésus a bien parlé lorsqu'il a déclaré que la semence de l'évangile tombe sur toutes sortes de terrains et nous sommes des terrains variés, totalement variés. Et Seigneur va dire que la semence qui tombe le long du chemin, le long du chemin, c'est la parole qui a été semée, mais les gens qui l'ont entendue, aussitôt Satan vient et il l'enlève, il veut conquérir, il enlève la parole qui a été semée en eux. Et tu le long du chemin? Est-ce que le diable aussitôt est venu pour enlever cette parole Il faut qu'à la sortie de l'église, la parole soit constante. Le lundi, mardi, mercredi, tous les jours, c'est constamment. Il faut qu'elle soit là. Si elle s'en va aussitôt qu'elle a été semée à la porte, voyez, ben, c'est fini. Le diable, il se tient à la porte. Il y a mille et un démons qui sont juste à la porte, à la sortie de l'église. La dit qu'il y en a d'autres qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux. Il y a des pierres, voyez. Et quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord, premièrement, avec joie. Ah, oh, c'est magnifique, c'est glorieux. J'avais jamais entendu ça. C'est formidable. J'avais même pas que ça existait. Des assemblées comme ça, des églises comme ça. Aussitôt, avec joie. Oui, c'est ça. C'est ça que j'avais besoin. Mais, mais, il y a un mais. La Bible dit ceux qui euh, sont dans les endroits pierreux, sont ceux qui n'ont pas de racines en eux-mêmes. Et ils manquent de persévérance. Et dès que survient un problème, dès que survient une tribulation, les gens qui se moquent de vous, hey, tu vas à cette église, toi là-bas, là, tu es d'hommes Voyons, tu ne sais pas que c'est une secte là-bas, c'est tous des, des gens qui sont faux. Ouais. Ouais. Ah. Dès que survient Dès que survient hein, donc un problème, une tribulation, une épreuve, une persécution à cause de la parole, à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il y a toutes sortes de terrains. Et il y en a d'autres aussi qui reçoivent cette parole parmi les épines. Donc ils entendent la parole de Dieu. C'est bon, c'est merveilleux, c'est ça, c'est ce que j'avais cherché toute ma vie, j'ai trouvé. Mais! Et là aussi, il y a un mais. Les soucis de la vie. Les soucis. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui n'a pas de soucis Nous avons tous des soucis. Les soucis sont capables d'étouffer cette parole. D'étouffer cette parole-là. La Bible dit les soucis du siècle. La séduction des richesses. La séduction des richesses, devenir riche. Oui. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui, bien souvent, euh, veut devenir riche sans rien faire. Assis devant un iPod, maillé, et puis gagner de l'argent, penser qu'ils vont gagner des millions sans rien faire, couché sur un sofa. C'est abominable. Quel mensonge Dieu va toujours honorer le travail. Le travail c'est beau de voir un jeune homme, une jeune femme en train de vouloir travailler et gagner, même si c'est au McDo, mais de travailler pour leur argent qu'ils vont gagner. Mais de vouloir, je dirais, acheter un billet de loto et vouloir gagner un million, c'est du mal. Regardez tous ceux qui ont fait ça. Le trouble a commencé à arriver chez eux parce que c'est de l'argent mal gagné. Les soucis du siècle, séduction des richesses. L'invasion des autres convoitises étouffe la parole et la rend infructueuse. Donc tout ça, c'est avec la parole. Mais quelle sorte de terrain sommes-nous? Quelle sorte de terrain suis-je? Et il n'y a sur les quatre qu'un seul, 25% seulement, qui sont des bons et qui résistent. Et la Bible dit, d'autres reçoivent le dans la bonne terre. Soyons une bonne terre pour le Seigneur. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Trente, soixante, cent pour un. Imaginez. Donc, ce que nous voyons, c'est que l'ennemi désire reprendre ce qu'il a perdu dans nos vies. Ceux qui font le cours, le cœur de l'homme. Il y a deux ou trois leçons qui parlent exactement de ce que je suis en train de parler, et d'une manière encore plus imagée. Vous savez, les gens, sauvés, toujours sauvés, ça n'existe pas. C'est une fausse doctrine. Je suis sauvé, toujours sauvé à condition que je continue à marcher, à vaincre, à avoir un casque, à avoir une épée, à avoir une cuirasse, à avoir des souliers et me battre contre Satan. Si vous ne vous êtes jamais battu contre Satan, vous avez un problème. Grave problème. Parce que tout chrétien, tôt ou tard dans sa vie, s'il marche avec Dieu, va rencontrer des démons, va rencontrer des puissants diaboliques. Mais il est plus fort. Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Hallelujah, Hallelujah. L'ennemi avait reprise Kirjat ses filles. Ne vous laissez jamais ravir par Satan. Il faut être un bon terrain. L'apôtre Paul a dit ce qu'un homme, dans Galates 2,6, ce qu'un homme a été dans le passé. Peu m'importe. Quelqu'un peut avoir été une colonne dans l'Église dans le passé. La question. Qu'est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est ça qui est le plus important. Paul dit Peu m'importe, peu m'importe ce qu'un homme, une femme a été dans le passé. Ce qui importe, c'est ce que je suis aujourd'hui dans le Seigneur. Suis-je fidèle? Suis-je persévérant dans la tribulation et l'épreuve? Suis-je, je dirais, côte à côte avec le Seigneur? Les Éphésiens ont vu une église florissante grandir sous leurs yeux. Le porteur du flambeau était Paul. Il est arrivé avec l'évangile en main dans une ville pourrie, une ville avec un temple, avec les prostituées du temple, les hommes allés pour offrir à Diane des sacrifices en ayant de la sexualité avec ses prêtresses. L'évangile arrive. Le flambeau de l'évangile, tout est bouleversé. Des démons sont chassés. La puissance de Dieu est en train d'agir. L'évangile est annoncé. Les Éphésiens écoutent. Ils n'ont jamais entendu. Ils ont leur ancienne religion, mais ils ne sont pas sauvés. Et l'évangile arrive avec l'apôtre Paul. Et voilà que les gens amènent leurs livres d'occultisme. Ils en font un brasier. Ils brûlent tout cela devant la ville. Ils brûlent les petits temples. Il brûle tous les cierges, il brûle toutes les poubelles de la religion, les chapelets, les, 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 euh, tout ce que vous voulez, voyez. Et la ville se met à résister. Le Seigneur a agi, Satan contre-attaque. Ceux qui faisaient de l'argent avec les petits temples, avec les petits cierges, avec les petits ci, se, se, se monte, je dirais, tout un tumulte dans la ville, et toute la ville se rassemble dans les arènes. C'est un lieu qui peut contenir 25 000 personnes. Et pendant deux heures, tous les gens crient « Grande est la diane des Éphésiens !» Pendant deux heures, la pensée unique. Aujourd'hui, ce monde est dirigé par Satan et ils s'en vont vers la pensée unique. Il faut penser tous de la même manière. Hélas, ils ont un problème avec nous. C'est que nous, nous n'avons pas leur pensée. Nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Et cela est bien différent. Ils amènent Paul au milieu. De, de, de la foule, imaginez. Les chrétiens retirent l'apôtre Paul parce qu'il va se faire lapider, lyncher, littéralement. Et finalement, là, ça se passe, ça se termine devant les tribunaux. Et euh, l'Évangile continue à aller de l'avant. Trente ans plus tard, cette ville, où l'Évangile a été annoncé avec force, avec les dons du Saint-Esprit, où les démons ont été chassés, où il y a eu des miracles merveilleux de guérison, de délivrance. La Bible parle de miracles extraordinaires. Déjà, un miracle, c'est pas mal, euh, mais extraordinaire. Il s'est passé des choses inimaginables à Éphèse. Trente ans plus tard, l'Église a continué. Les rassemblements ont eu lieu, les chrétiens ont été là, et trente ans plus tard, le Seigneur dit, c'est très bien à Éphèse, je connais vos œuvres, votre travail, votre persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, tu as de la persévérance, tu as souffert même à cause de mon nom, mais voilà ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. My, my, my. Le Seigneur vient faire monter à la surface, comme la crème monte sur la surface du lait, le problème de l'Église, la perte du premier amour. First love. Le premier amour. Quand vous avez accepté le Seigneur au début, vous vous rappelez Moi, je veux m'en souvenir tout le temps. Alors, ce premier amour, je ne veux pas le perdre. J'ai trouvé celui que mon cœur aime et je ne le lâcherai pas, dit la bien-aimée dans le canté des cantiques. J'ai trouvé. Satan voudrait reprendre ce qu'il a perdu. Dans nos vies. Rappelons-nous que Jésus a parlé d'esprits impurs. Les esprits impurs, généralement, sont tous impurs. Toute la cochonnerie, toute euh, l'immoralité, la pornographie, tout ça vient de l'enfer. Et Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme. Il va dans des lieux arides pour chercher du repos. Parce qu'il avait du repos dans le cœur de cette personne. Mais comme Christ est venu, où il a été chassé, alors il va dans des lieux arides. Et il n'en trouve pas. Il dit, cet esprit impur, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Il va donner un coup d'œil, il va regarder dans le cœur de la personne où il était auparavant, de l'extérieur. Il tire le rideau. Il regarde le fond du cœur. C'est orné. C'est balayé. Il dit, il s'en va et il va parler à sept autres esprits, ses collègues, plus méchants que lui, plus impurs que lui. Et ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Le problème, c'est que la maison était ornée, balayée, mais... La présence de Jésus n'était pas là. C'est un problème grave. Il faut que nous soyons remplis. La Bible dit soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Soyez remplis. Pas à moitié remplis, pas à moitié vide, remplis au bas. Les serviteurs à Cana ont rempli. Les vases de terre, jusqu'au bord. Jusqu'au bord. Soyez remplis jusqu'au bord. Et je dirais même que ça déborde, que ça passe par-dessus les bords. Être rempli. Les démons ont des manières d'agir séductrices. Nous avons des jeunes gens qui sont pris par la pornographie avec le petit pied d'huile. Lorsqu'ils étaient en mission. À Londres, à la fin d'une mission, on a vu quelque chose d'inimaginable. La réunion s'est terminée à peu près vers 1h du matin. Elle a commencé à 7h. Dans le temps de prière, les démons, c'était une réunion de jeunesse, ont commencé à se manifester. Les yeux révulsés, les filles qui tombaient à terre, tout ça. C'était des gens possédés, qui avaient entendu l'Évangile quand ils étaient jeunes à l'école du dimanche, mais ensuite vivaient exactement comme leurs collègues païens à l'école. Vous savez, il y a eu des démons qui ont été chassés cette soir-là. Moi, j'étais fatigué, je suis rentré à mon hôtel vers minuit, j'ai demandé au pasteur de continuer, mais ils ont continué. Les chaises revolaient de partout, les démons se manifestaient, et les frères et les sœurs, les anciens, priaient en chassant les démons au nom de Jésus, de ces jeunes gens-là. Il y a eu des délivrances. Ces jeunes qui ont été délivrés, la première chose qu'ils ont faite, iPod, laver tout ça, témoigner tout ça, enlever tout ça, la pourriture, la saleté, la connexion avec l'enfer par la pornographie. L'amour a été mis et sera toujours mis au défi. Caleb a dit, celui qui vaincra, qui reprendra, qui ses Sefer, aura ma fille, Akza. Celui qui battra, qui ses Sefer, qui la prendra, aura ma fille, Akza. Ça veut dire, peu importe les périls du combat, Otniel, le jeune homme qui aimait axa a préféré mourir sous les coups de l'ennemi que de vivre solitaire. Il voulait cette fille-là. Il l'aimait. Et la condition était de battre les ennemis dans la ville qui avait été reprise par l'ennemi. Peu importe l'âpreté, la dureté de la bataille, de la lutte, il ne voulait pas vivre solitaire. La Bible déclare, le Seigneur dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas bon de vivre sans Jésus-Christ. Ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Adniel, son nom veut dire le lion de Dieu le lion de Dieu. Ou encore, ça veut dire Dieu est phare. Et la Bible dit qu'il a pris ses armes et il est monté vers la ville. Et bing bang, il s'en est emparé. La Bible dit, il s'en empara. Le Seigneur a déclaré, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Comment est-ce avec prière Est-ce qu'il y a une violence spirituelle pour avoir ce temps de prière, as-tu remarqué la bataille qui a lieu pour prier, pour chercher Dieu, pour avoir un temps avec le Seigneur Parce que l'ennemi ne veut pas que nous prions, parce que c'est là que les batailles sont gagnées. Dieu ne fait jamais rien sans que des genoux soient à terre, sans qu'on demande à Dieu, sans qu'on prie intensivement le Seigneur. Celui qui battra, qui rejette ses fers, aura ma fille Aksa. Et Othniel, le lion de Dieu, s'en empara. Et la Bible dit Axa devint sa femme. Axa devint sa femme. Sache que dans les derniers jours, a dit l'apôtre Paul, il y aura des temps difficiles, dangereux. Parce que les hommes sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Nous devrions être 5 ce matin. Pourquoi Parce que les gens sont irreligieux aujourd'hui. Irreligieux, seront insensibles, déloyaux. Ce sera des Judas iscariotes. Donc, nous vivons dans un temps de péril, de danger. Mais où sont les hôtels qui vont se lever avec l'épée de l'esprit dans la main, la parole de Dieu, et qui vaincront l'ennemi. Vaincre l'ennemi. Ne pas se laisser vaincre, mais vaincre nous-mêmes l'ennemi. Il s'en empara. La foi toute seule pouvait avoir un camion de foi. Mais la foi toute seule, si elle n'est pas accompagnée d'action, votre foi est morte. Elle n'accomplit rien. Elle ne fait rien. Ce sont les œuvres qui démontrent notre foi. Jacob croyait qu'un jour il allait épouser la belle Rachel. Et il a travaillé pour elle pendant 14 ans. Pendant 14 ans, il a travaillé pour elle. L'amour est capable de faire faire à quelqu'un des choses inimaginables. Quand vous aimez... Oh, Allez demander ça à une mère. L'amour, il n'y a pas de limite à ce qu'un homme est capable de faire car l'amour véritable est dans son cœur. Quand l'amour véritable est dans son cœur. Le secret, vous regardez l'histoire de l'apôtre Paul, sa vie, vous lisez dans les pages des actes des apôtres et dans les Épites, tout ce qu'il a vécu. Vous dites, mais comment a-t-il pu vivre et vivre une vie semblable D'où prenait il son courage indomptable? Quel était le secret de son courage indomptable? Eh bien, c'est que Paul avait examiné le territoire de son âme. Il a découvert les points forts de l'ennemi et voulait mourir tous les jours. Ça ne faisait absolument rien de mourir chaque jour, daily. L'amour rend courageux. L'amour rend dévoué. L'amour est capable de résister au diable par amour pour Jésus. L'amour est une source de puissance. Nous avons commencé notre vie chrétienne à cause de son amour, son pardon, sa miséricorde. Et nous la continuons, cette vie formidable, avec son amour. Et nous entrerons dans l'amour éternel là-haut, dans la gloire. Encore l'amour, l'amour. L'amour encourageux, source de puissance. Si quelqu'un veut me suivre, il gardera mes commandements. Si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un m'aime, a dit Jésus, il me suivra, quelles que soient les difficultés. Il va me suivre jusqu'à l'échafaud, jusqu'au bûcher, jusqu'à dans le camp de concentration. Il va me suivre jusque derrière les barreaux de fer des prisons, des hommes. Ça n'a absolument aucune importance. L'enjeu est éternel. Quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Ne regarde jamais en arrière, mon frère, ma soeur. Regarde vers l'avant. L'avant. Il faut être focusé sur l'avant, l'aboutissement. C'est ça qui compte. L'aboutissement. Imagine-toi entrer sous les portes de gloire dans le ciel et qui vient à ta rencontre Jésus lui-même, ton Sauveur, les bras ouverts. À ce moment-là, ta petite maison, ton petit frigo, ton petit compteur, ça vaut zéro, plus zéro. C'est lui qui compte. C'est lui, le Seigneur. Quiconque met les mains à la charrue, regarde en arrière, n'est pas digne. Ne regarde pas en arrière. Paul a dit, chaque jour, je suis exposé à la mort. Chaque jour, je suis exposé à la mort. Ça veut dire, chaque jour, je vois la mort en face. Chaque jour. L'apôtre Paul a utilisé des expressions Il a dit Nous sommes pressés, nous sommes parfois dans la détresse, nous sommes persécutés, nous sommes parfois abattus. Mais ça, c'est des bouts de phrases que je viens de vous dire. Je vais vous dire maintenant toute la phrase Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse parfois, mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous sommes euh, euh, abattus, mais nous ne sommes pas perdus. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul a souvent été meurtri. Il était lassé parfois, fatigué, accablé, persécuté, mais il était satisfait de partager. Avec son Sauveur, la communion de ses souffrances. La communion des souffrances de Jésus. Aujourd'hui, nous avons une église apostate qui ne veut pas souffrir. Elle ne veut pas souffrir. Elle ne veut pas s'exposer et dire Oui, je suis chrétien, oui, j'aime Jésus. Oui, il m'a sauvé. Oh, tu viens d'où Le Moyen-Âge Othniel ouais. voulait cette belle épouse. Alors il s'est emparé de ses armes et il est monté vers la ville. Et bing bang, il a gagné, il a vaincu. La Bible dit qu'il s'en est emparé. Et Jésus, lui aussi, avait en vue une belle. Et il s'est emparé de la victoire au calvaire. Il a embrassé la mort pour une épouse. À la lueur blafarde de la lune, il est descendu par le chemin du Cédron. Il est remonté avec ses disciples vers le jardin de Gethsemane. Et là, regardez cet homme qui est à terre, quasiment couché à genoux. Et il crie et il pleure. Et il regarde vers le ciel. Et il dit Peur, s'il te plaît, que cette coupe est loin de moi. Qu'est-il en train de faire Il est en train de combattre. Il est en train de lutter. Il avait regardé Jérusalem droit dans les yeux. Il avait mis son visage comme un caillou. Et là maintenant, il demandait la bataille commencer. Il est en pleine bataille contre les démons, contre les puissances diaboliques et infernales afin de gagner une épouse et nous sommes l'épouse de Christ. Alléluia. Alléluia à la croix du calvaire, à la fin du combat, au milieu de son sein, au milieu de son visage méconnaissable, barbe arrachée, les yeux révulsés, à l'envers, plus un animal écorché qu'un humain. Il a crié dans une voix de victoire et non pas de faiblesse. Tout est accompli, le prix est payé. Alléluia, Alléluia. Alléluia! Il avait gagné! Il avait réussi! Il avait maintenant cette épouse qu'il a gagnée auprès de son sein. Auprès de son sein. Merci, merci Seigneur! Alléluia! La joie, la joie de ceux qui s'attaquent aux, aux forteresses diaboliques de Kirjat Sefer. Et la belle jeune dame, Aksa, Alléluia! Qui nous représente, eh bien, elle est entrée dans la maison, dans la maison d'Otniel. Hallelujah. L'amour conquérant. Hallelujah. Et Axa, la fille de Caleb, eh bien, elle pousse son nouveau mari à demander un chant à son père Caleb. Demande-lui un chant. Caleb elle dit Oui, pas de problème, cadeau de mariage, tu vas avoir un chant. Axa, qui connaissait son père et qui pousse la foi en élastique, quasiment jusqu'à ce que l'élastique casse, elle va voir un jour. Elle monte sur son âne, elle va voir son papa, son père. Oui, ma fille. Oh, bonjour. Que demandes-tu Papa, tu m'as donné un chant, mais j'aimerais avoir des sources. Des sources d'eau. Un champ c'est bien beau, mais s'il n'y a pas de source dessus, s'il n'y a pas d'eau pour l'irriguer, pour le faire fructifier, donne-moi, s'il te plaît, des sources. Et il est dit que le Père lui donna des sources d'en haut supérieur et des sources d'en bas inférieur. Dans nos vies, nous pouvons avoir plus, plus, Alléluia. Plus nous sommes l'épouse de Christ. Et nous pouvons aller voir notre père. Et nous pouvons aller demander. AXA était très intelligente. C'est une fille de foi. Elle avait hérité, elle avait vu l'exemple de son père. Elle connaissait l'histoire. Comment son père avait été animé d'un autre esprit? Elle avait la force intuitive des choses. Elle a eu de l'initiative. Donne-moi aussi. Donne-moi aussi. Nous avons besoin d'aller plus loin avec le Seigneur. Donne-moi aussi ça, Seigneur. Donne-moi aussi ça. Alors, cette femme-là, Axa, était une femme vertueuse. Et dans la Bible, il est dit que le cœur de son mari a confiance en elle. Il se dit que cette femme lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle amène son pain de loin, elle se lève lorsqu'il est encore nuit, elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, elle sent de force et reins, elle ne craint pas la neige pour sa maison. Son mari est considéré aux portes, Othniel est devenu juge en Israël. Cette femme est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Est-ce que vous riez de l'avenir? Moi, tu sais, je ne sais, tu sais, si, euh, sais pas si le pasteur va nous demander le passeport à l'entrée de la. Date. Elle se rit de l'avenir! Riez de l'avenir! Si vous êtes vertueux, aucune importance. Servez le Seigneur. Nous avons des églises qui ont été fermées depuis bientôt deux ans. La nôtre, non. Et par la grâce de Dieu, on est là ce matin encore, en train de bénir le Seigneur. Alléluia. L'amour conquérant. L'Église, elle va être enlevée soudainement. Mais n'oubliez pas que c'est une Église sans tache, ni rides, ni rien de semblable. Pas de vieillissement. Une Église jeune. Nous sommes éternellement jeunes. Nous avons la vie éternelle en nous. Alléluia. C'est le péché qui fait vieillir. Ne vieillissez pas, frères et sœurs, jamais. Restez jeunes dans votre foi. Ne perdez pas le premier amour, le premier amour. L'amour de ce printemps spirituel. Quand vous étiez en train d'attendre la porte, que la porte s'ouvre pour venir à la réunion, à la réunion de prière. Donne-moi les sources, les sources d'eau, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit. Il y a des niveaux. Dans la vie chrétienne. Il y en a qui restent bambins, enfants. Il y en a d'autres qui, qui sont devenus des géants. Parce qu'ils ont grandi. Ils n'ont pas perdu leur temps avec les choses du monde. Parfois, il y a des gens qui posent la question Vous connaissez tel artiste, un pasteur euh, Non. Ben, un autre. Mais je peux vous parler de Jérémie, je peux vous parler d'Othniel, je peux vous parler de Josué, je peux vous parler de Naboth, je peux vous parler de, de l'apôtre Paul, je peux vous parler de ces gens-là. C'est eux qui m'intéressent. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ce chant. Ce champ de travail, Seigneur. Te demandons les sources supérieures et inférieures. Nous désirons être abreuvés, irrigués par l'esprit de gloire. Tu as promis le remplissage puissant du Saint Esprit. Tu as promis la victoire sur toutes les puissances diaboliques et ténébreuses. Nous voulons nous revêtir de toute 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 l'armure de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes en guerre et nous continuerons à nous battre spirituellement parlant. Nous continuerons, Seigneur, à prier. À intercéder, à vaincre les Kirjat Séphir, Seigneur. Merci, car nous ne voulons pas que l'ennemi reprenne rien, pas un seul pouce dans nos vies, Seigneur. Nous sommes à toi, et pour toujours et pour toute l'éternité. Amen, Amen. Et tout le peuple dit Amen. amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.